Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo favorite. Alors, j'ai rapproché Sosé parce que voilà, franchement, ça m'a trop touché que vous preniez des nouvelles et tout. En fait, vous inquiétez pas quand vous voyez pas son panier derrière, c'est qu'il est sur la terrasse et parce qu'il y a le soleil qui tape et qui fait super chaud. Quand il fait humide et tout, il a mal à ses pattes et tout. Enfin, c'est un vieux chien. Du coup, dès qu'il fait chaud et qu'il y a des petits rayons de soleil, il bascule là-bas et il est très content. Je vais commencer ce favori par, pour ma part, ma découverte du siècle. Alors peut-être qu'il y en avait qui ne connaissaient pas du tout et franchement, ça a été la découverte, mais vraiment un truc de ouf. C'est l'huile de palmarosa que j'avais eue dans la Beautiful Box. Et elle était présentée comme une huile qui pouvait annuler les odeurs de transpiration, qu'en mettant une goutte sous les aisselles, il n'y avait pas d'odeur de transpiration. Ça marche de ouf les gars. Alors attention, si vous êtes enceinte, pas sur les enfants, pas sur les femmes enceintes, et si vous vous rasez, ça risque de vous brûler un peu. Moi je m'épile, déjà quand je viens de m'épiler, si je me mets une goutte, ça chauffe un petit peu, mais après un rasage, je pense que ça doit brûler. Alors laisse tomber. Je l'ai testé sur 2 jours. Enfin, j'ai pris ma douche le matin et je reprends ma douche le soir. Mais je l'ai fait 2 fois consécutives sur 2 journées chargées leur mémé la chèvre. Donc, autant te dire que voilà, j'ai transpiré. Aucune odeur le soir avant d'aller prendre ma douche. Aucune odeur. Une goutte. Une goutte sous chaque aisselle. Je mets une goutte et je badigeonne comme ça sous l'aisselle, et voilà. Alors, je préfère quand même mon déo Schmidt, parce que, bah voilà, quand je m'évite, justement, j'ai pas du tout de douleur ni quoi que ce soit. Mais comme je le commande sur Internet, et que, bah voilà, ça met 2-3 jours à arriver, et ben si un jour je suis en panne de déo, je sais qu'en mettant de l'huile de palmarosa, et ben voilà, il y aura aucune odeur de transpiration. Donc, celle-ci, elle est bio, préférez une huile essentielle bio quand même, si vous la mettez sur la peau directement, voilà. Mais alors sachez que l'huile de palmarosa, number one des découvertes au top 50. Sérieusement, c'est un truc de... On reste dans les déodorants et odeurs de transpiration et je vais vous présenter mon chouchou de tous les temps, mon nouveau déo Schmidt. Et celui-ci, c'est pour les peaux sensibles, c'est Sensitive Skin Formula. Et il est au titri. Les déo Schmidt, moi je les ai... Donc j'avais celui-ci à la rose et à la vanille. Vous avez été nombreuses à me demander ce qu'il donnait. Il est magnifique. Franchement, il a une super odeur subtile. C'est vraiment 50-50 odeur rose-vanille. Il tient super bien. Ça ne fait pas à la fin de la journée une odeur dégueulasse. Il n'y a pas d'odeur de transpiration. Il est frais du matin jusqu'au soir. Il est génial. Celui-ci, il est à 12 euros. Celui-ci, formule pour les peaux sensibles, il est à 14 euros. En formule peau comme ça, qui est à la lavande et à la sauge. Et alors celui-là, franchement, je le garde juste pour le sniffer. Franchement, t'as l'impression que t'es dans un champ de lavande. L'odeur, elle est mais époustouflante. Celui-ci, moi j'adore les trois exactement pareils. Celui-ci, le reproche qu'on leur fait, c'est qu'ils sont pas très pratiques avec la spatule et qu'ils sont un peu farineux, granuleux pour l'étaler sous l'aisselle. Et que du coup, là, comme c'est une spatule, il faut que tu étales au doigt. Il est hyper efficace, mais il contient du bicarbonate de soude, je crois que c'est ça. Hein. Parce que celui-là, je crois justement pour les peaux sensibles, c'est une formule sans bicarbonate de soude. Je rappelle que ces déos Schmidt là, ils sont vegan et cruelty free. Donc celui-là, la lavande, là, il existe en stick. Toutes les odeurs sont avec huile essentielle, donc pas sur les femmes enceintes. Sauf celui-ci, rose vanille, il est donc il a une senteur, mais il est sans huiles essentielles. C'est d'ailleurs en majorité des cas ce qui est dit sur ces déos, que ça irrite. Donc moi étant une grande fan, ça me dérangeait pas du tout, mais étant une grande fan du tea tree, j'ai voulu tester cette formule sensitive, machin, donc vous voyez il est blanc. Et alors, bah, alors franchement, il s'applique comme du beurre, ça glisse, c'est plus du tout granuleux, l'application n'a rien à voir, c'est complètement différent. C'est agréable, c'est un peu crémeux, c'est super fluide, ça accroche pas, c'est plus du tout farineux, granuleux. Pour autant, il est tout aussi efficace, magnifique. Celui-ci à l'arbre à thé, l'huile essentielle d'arbre à thé,
ça sent quand même hyper fort. C'est un peu spécial comme odeur. Mais dans le déo, comme ça, ça sent. Mais après, sous les aisselles et au cours de la journée, franchement, ça sent quasiment plus. Moi, j'aurais aimé que ça sente un petit peu plus. Voilà, celles qui n'aiment pas forcément l'huile essentielle d'arbre à thé, vous ne serez pas gênés par l'odeur. Parce que l'huile d'arbre à thé, en fait, c'est antibactérien, antiseptique et tout. Donc, pour celles qui se rasent, pour le coup, il peut être génial. Ensuite, restons dans les odeurs de corps. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce savon que j'ai eu dans la Beautiful Box, toujours. Alors, moi, j'utilise le savon Bioderma. Donc, c'est un savon de parapharmacie pour les peaux sensibles parce que j'ai la peau qui gratte, j'ai la peau à tendance atopique et tout. Donc, moi, tous les trucs, cottage et tout le bordel, c'est même pas la peine, je les regarde même pas. Du coup, j'avais mon savon Bioderma. Et ben, écoute, celui-là, il marche encore mieux. Alors, il a le côté du savon en pain. Si vous vous lavez avec, vous savez de quoi je parle. Mais une fois que tu rinces un savon en pain comme ça, t'as la peau qui crisse, tu vois. Ça. Mais pour autant, une fois que c'est sec, t'as vraiment l'impression que ta peau, elle est dans une petite couverture. On dirait que t'as mis du lait sur ton corps. C'est hyper, hyper agréable. Donc, celui-là, il est bio. Il a le truc, là, EcoCert. Il sent super, super, super bon. Franchement, énorme coup de suite. Un favori Macup. Alors là, je suis dégoûtée clairement que ce soit un échantillon parce que c'est le coup de cœur. Coup de cœur de chez coup de cœur. Je suis, vous le savez, une collectionneuse de baumes à lèvres et de mascara. Et là, j'ai trouvé le mascara du feu de Dieu. C'est celui que je porte. Et c'est un échantillon du mascara Make Up Forever, le Excessive Lash. Et celui-là, je vais le racheter, c'est sûr. Voilà, donc c'est un échantillon, hein, donc c'est une toute petite brosse. Celui-là, quand je le mets, donc moi, quand je m'applique du mascara, je mets toujours ma tête en arrière, comme ça, et je brosse, là, comme ça. Et quand je le fais, je me dis, oh putain, j'en ai plus dedans, je suis dégoûtée et tout. Et en fait, après, quand je prends du recul, je vois que tous mes cils, ils sont tous dessinés, un par un, pas du tout cartonnés. Ils sont pas... moi, j'aime pas quand les cils, ils sont trop recourbés comme ça. Je préfère quand vraiment, ils ont leur courbure naturelle. Pour autant, ils sont hyper définis. Et ça fait vraiment noir à la base du cil, vous voyez. C'est pas tous les cils qui sont pris dans un grand truc. Ça fait hyper naturel, mais hyper, hyper gainé à la base, en fait. J'adore ce mascara. Celui-là, je vais le racheter, c'est sûr. Donc voilà, Excessive Lash de la marque Make Up Forever. Un gros coup de cœur. Je l'avais eu en échantillon chez Sephora, et ça fait pas longtemps. Donc demandez-le si vous allez chez Sephora pour le tester. C'est juste une magnificence. Un coup de cœur aussi pour une marque. Et là, je vous montre juste la crème que j'utilise le soir après ma douche. Mais clairement, tous les produits que j'ai pu tester de la marque Akan, c'est juste, mais trop de la balle. Sincèrement, encore une fois, tu me crois, tu me crois pas, franchement, hein, au bout d'un moment, voilà quoi. Mais sincèrement, cette gamme, donc c'est une gamme bio qui est hyper efficace. Moi qui déteste, franchement, je déteste, tu vois, j'ai pas de fond de teint, j'ai pas de crème la journée, je ne peux pas. Le soir, je la mets, ça me gêne pas du tout, c'est hyper agréable, t'as pas d'odeur de chimique ou de plâtrasse, ou c'est hyper léger et pour autant c'est hyper hyper hyper. Je la mets le soir par contre, pas la journée parce que tu sens quand même qu'il y a un petit truc, mais c'est vraiment pas dérangeant et croyez-moi parce que sérieusement moi les crèmes je peux pas me niquer. Et j'ai pu grâce à Philips tester une brosse nettoyante pour le visage. Donc c'est la brosse Essentiel Visa Pur, si je te regarde pour le dire c'est mieux, c'est la brosse Essentiel Visa Pur. Oui, je pourrais pas faire télé-shopping. Hein. Voilà, clairement moi c'est une brosse que j'ai utilisée deux fois quand je suis allée en ville et que avec toute la pollution et tout, enfin je rentre le soir, j'ai juste envie c'est d'enlever, vraiment d'écraser ma peau au plus haut point, donc là. Et aussi quand je sens que, je sais pas, je sens qu'il y a des petits trucs qui poussent à droite, à gauche et que je la sens pas nette ma peau. Voilà, je l'ai utilisée deux fois.
En revanche, mon mec, il l'utilise tous les soirs sous la douche. Elle va sous la douche, elle est waterproof. Et on l'utilise donc avec notre gel pour le visage, donc le Clinan, ça aussi. Hein. Je pourrais le mettre dans mes favoris, mais c'est un favori de la life. C'est le seul pour moi qui laisse une sensation de peau hyper nette. Voilà. Donc, alors, combiné avec ça, mon mec, voilà, t'as l'impression qu'il peut chanter la Traviata sous la douche. Hein. C'est hyper doux, mais pour moi, je sens que c'est un petit peu trop. Je sens le frottement sur ma peau, qui est quand même assez fine. Du coup, je vais recommander à Boulanger, je crois, une tête pour peau sensible. Alors sur internet, des recharges là, des têtes comme ça, tu peux en trouver. Ça va de, je crois, j'ai vu 6 € 5,99 jusqu'à 19,90. Voilà. Donc il y a plusieurs têtes pour différentes choses. Voilà, c'est tout con. Tu l'enlèves comme ça, hop, c'est super cool. Il y a une vitesse comme, enfin un bouton, c'est tout, c'est hyper simple. Là, tu peux recharger le truc. Donc alors, bien évidemment, quand c'est branché, tu ne t'en sers pas sous la douche. Non, ça fait des rotations, ça vibre pas, ça rotate. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Oui, alors, ça contient la petite brosse là, la recharge et à l'intérieur. En fait, tu as une notice. Tu vas sur leur site, là, tu enregistres. Tu vas sur le site de Philips, tu enregistres ton produit et ils t'envoient une autre recharge comme ça que eux conseillent de changer la petite tête tous les 3 mois. Voilà, j'ai fait un heureux. Mon mec est super content. Que demande le peuple? Voilà, j'espère que mes favoris du mois vous ont fait plaisir. Voilà, je fais pas des favoris tous les mois parce que parfois il y a des trucs qui valent pas vraiment la peine. Tu vois, là, j'ai fait une vidéo de favoris, favoris, ça m'aimait la chèvre, tu vois. Voilà, je vous fais un gros, gros, gros bisou et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je dirais bien à s'oser de te dire, ah, si, regarde, il te dit au revoir. Oh, t'es gentil. Oh, oui, tu viens dire au revoir? Oh, oui, regarde, il te montre comme il a des muscles.